que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de désir, d'envie et de crise. Ici, pour certains, vous voyez, on nous parle d'une personne qui n'arrive pas forcément, vous voyez, comme à suivre vos envies. Je te désire, j'ai envie de faire des pas en avant avec toi, et c'est réellement quelque chose, tu vois, qui me met mal en point. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où il y a une personne qui est comme en train de faire un petit bilan de sa vie au niveau sentimental et qui réalise que qu'il ou elle est incapable de faire un pas vers vous. Une personne, tu vois, peut être tellement stressée de se présenter face à toi ou tout simplement de te dévoiler ce qu'il ou elle a dans la tête que cette personne, vous voyez, limite, elle s'arrache les cheveux. Je comprends pas, tu vois, la position dans laquelle je me trouve. Parce que c'est quelque chose, tu vois, peut-être de tout nouveau, mais on a vraiment cette impression que c'est une personne qui essaie de comprendre en réalité ce qui lui arrive, une personne qui essaie de mettre en lumière éventuellement ben, ce qu'elle pourrait mettre en place pour vous approcher. On a vraiment quelqu'un qui sait que le fait de ne pas forcément se manifester, c'est quelque chose qui peut énormément vous embêter, mais on a quelqu'un, tu vois, qui ne sait pas comment faire. J'ai trop envie de le faire et je n'ai pas, tu vois, comme cette force, ce courage ou tout simplement la technique pour que je puisse t'approcher sans éventuellement te faire du mal, te stresser, te mettre dans une position complexe. J'ai pas envie que tu sois déstabilisé par ma personne, j'ai pas envie que ma présence te gêne. On a quelqu'un, vous voyez, qui a l'impression un peu, tu vois, d'être une personne un peu trop lourde. Ouais, j'ai l'impression d'être trop lourd ou trop lourde. J'ai vraiment cette sensation, tu vois, que éventuellement être à mes côtés, on a l'impression que c'est un fardeau pour toi. Et c'est pour ça qu'on a une personne qui se cache, une personne qui essaie de, vous voyez, de ne pas trop vous déranger, mais c'est beaucoup parce que cette personne, en gros, elle manque de confiance, hein. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où ici on nous montre que c'est quelqu'un qui a plein de pensées positives. Ça revient à l'envie et le désir, tu vois, comme de passer du temps avec toi. Il y a comme cette attraction qui fait que, mais je comprends pas, tu vois, plus je résiste et plus ça me titille, plus je m'empêche de venir et plus ça me rend, tu vois, malade. En vrai, ça me met dans une position hyper complexe avec ma propre personne. On a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a envie de se laisser aller. Alors là, tout de suite, je ne sais pas éventuellement comment je pourrais faire. Je ne sais pas éventuellement comment je peux me manifester ou en tout cas tout simplement comment me présenter face à toi. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas, tu vois, comme faire, on va dire cesser, hein, tu vois, cette envie de pouvoir t'approcher. On a vraiment une personne, tu vois, qui, depuis qu'elle n'est plus dans ta vie, en vrai, c'est une personne qui regrette grave. Ouais, je ne sais plus où me situer moi-même. Je ne sais même plus où je vais. Je ne sais même plus, tu vois, quoi faire pour te sortir de ma tête. Donc, on a quelqu'un pour moi qui essaie de mettre en place, entre guillemets, une méthode hein, pour t'oublier, mais une méthode qui ne fonctionne pas. Une méthode pour cesser de penser à toi, mais une méthode qui ne fonctionne pas, puisque ben, plus elle résiste et plus elle est mal en point. Ouais, on parle réellement pour moi d'une situation où c'est réellement quelqu'un qui se disait, voilà, le break, la pause, éventuellement mettre fin à la situation parce qu'on a vu le deuil. Donc, mettre fin à la situation, c'est quelque chose qui, écoute, à mon sens, je pense que c'est quelqu'un. J'ai l'impression que tu ne pourras pas gérer en fait ce que je suis. Comme une personne qui pense, vous voyez, que se retrouver dans votre vie, c'est oui, j'ai l'impression d'être un fardeau. J'ai l'impression, tu vois, comme de te pomper l'air, en gros. Tu vois, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais on a vraiment une personne qui a cette sensation. Non, je peux pas et tu pourras pas forcément être à l'aise. On a l'impression que c'est une personne, tu vois, je prends la décision à ta place. Éventuellement, je sais que, que si je fais partie de ta vie, ben, ça risque d'être hyper complexe pour toi. Donc, du coup, je préfère m'éloigner. Je fais le choix pour nous, en fait. C'est vraiment ça. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui pensait
éventuellement faire des pas en avant. Donc, il y avait plein de choses que je souhaitais mettre en place avec toi. Et finalement, je me suis dit, ben, écoute, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. En plus, ben, je suis un fardeau. Donc, une personne qui manque réellement de confiance en elle, mais une personne qui n'est pas du tout à l'aise, tu vois, dans sa vie de manière générale, pour raisonner comme ça. On a vraiment cette impression que, limite, il te faut autre chose ou quelqu'un de mieux, une personne qui pourrait t'apporter tout simplement ce que tu désires au fond. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas à la hauteur. J'ai pas éventuellement les épaules pour, hein, te donner ce que tu désires. Donc on a quelqu'un, tu vois, qui essaie de garder le silence, qui essaie de rester dans son coin, mais on a réellement cette impression que tu lui as laissé, tu vois, comme une trop bonne impression, ou tu lui as fait tout simplement une trop bonne impression. On a une personne qui manque réellement de confiance en elle. Hein. Et j'ai vraiment cette sensation, tu vois, que passer du temps avec toi, c'est quelque chose qui pourrait être bien pour nous. C'est quelque chose qui risque d'être souffrant. Aller un peu plus loin, c'est réellement te rajouter, tu vois, comme mes propres fardeaux. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui a une situation hyper complexe dans le fond. Une personne, tu vois, qui peut-être en ce moment ne sait même pas comment elle va sortir, on va dire, de sa tourmente. Hein. Je ne sais pas comment améliorer ma vie. Donc pour éviter de compliquer la tienne, parce que je te vois comme trop bien en fait. C'est quelqu'un qui a l'impression que quand elle est dans les parages, elle te complique la vie, elle te rend la vie dure, elle te rend la vie difficile, ou éventuellement qu'elle te pousse, ou tout simplement qu'elle t'entraîne dans sa chute. J'ai pas envie de t'entraîner dans ma chute. Donc, une personne qui, quand on regarde comme ça, n'a même pas l'impression qu'elle-même, elle pourra s'en sortir, ou qu'elle-même, elle pourra reprendre le contrôle de sa vie. Et je veux pas te donner ce rôle, je veux pas te donner éventuellement ce fardeau à porter, entre guillemets. Pourtant, ici, on voit une personne, tu vois, qui a fait des propositions. Donc, on fait des pas en avant, on met des choses en place. J'ai plein d'envies, plein de rêves. Je suis sûre que me construire à tes côtés, ce serait la meilleure des choses pour moi. Mais c'est bizarre comme elle a cette sensation que vous ne pourrez pas la supporter ou tout simplement que, ben, écoute, je ne suis pas assez bien pour toi. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où. Mais pour moi, on lui a fait comprendre. On a fait comprendre éventuellement à cette personne que nous, bah, qu'elle n'est pas de taille ou tout simplement qu'elle n'est pas à votre niveau. On a des personnes, tu vois, de l'entourage qui ont pu lui mettre des idées un peu farfelues dans la tête. C'est quelqu'un qui a parlé de vous et qui peut encore parler de vous. Une personne, tu vois, qui, voilà, je suis content ou contente tout simplement d'avoir fait la connaissance d'une belle personne. Alors, je te sens déjà ultra bien ou je me sens déjà ultra à l'aise avec toi. Elle a essayé d'aller échanger et discuter avec les personnes qui l'entouraient. On a l'impression que quand elle a pris le temps de te décrire, quand elle a pris le temps, tu vois, comme de dévoiler hein, ce qu'elle sait de toi, donc ça veut dire ta situation de manière générale, on lui a fait comprendre en gros que cette personne, elle ne restera pas à tes côtés. Elle va pas rester avec toi ou tout simplement, c'est pas forcément une personne avec qui tu pourras construire. En vrai, on lui a fait comprendre que tôt ou tard, tu vas lui tourner le dos. Tôt ou tard, j'ai envie de dire, tu vas poursuivre ton chemin sans même regarder qui elle est, sans même regarder éventuellement dans quel genre de difficulté elle se trouve. Comme si on lui avait fait comprendre éventuellement tout beau, tout nouveau, et puis tu verras par la suite bah, comment il ou elle va te tourner le dos, tu vois, de manière un peu violente. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que c'est depuis ça, donc depuis cet échange, depuis cette communication, que cette personne, elle a décidé de se replier et qu'elle a décidé, tu vois, comme de geler hein, tous ses rêves et toutes ses envies, en tout cas, son, oui, cette envie de construire avec toi et d'officialiser un peu la situation. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation, tu vois, où on lui a bien fait comprendre. Hein. Tu penses que ce genre de personne éventuellement va rester avec toi, et ça a été peut-être un peu violent. Alors qu'elle se voyait tout simplement faire des pas en avant. D'accord.
On lui a fait comprendre qu'elle n'était pas assez bien. Qu'elle n'avait pas les épaules pour. On a le couple. Oh, attends. On a le début. Oui, pourtant tout se passait bien. C'était plutôt tranquille. Ça avançait de manière fluide, tu vois. On était en paix, on était en harmonie, c'était plutôt calme. Ouais, et vous avez eu cette sensation, tu vois, que c'était, ouais, c'était la bonne direction. Et puis quand elle a commencé, tu vois, comme à se poser des questions, quand elle a commencé, tu vois, comme, on va dire, comme à faire part de ses envies et de ses projections avec les personnes qui l'entourent, ben, on lui a déconseillé de venir vers vous. Donc on a une personne qui s'est posée une limite, mais quelqu'un pour moi qui regrette son choix. Attends. On m'a demandé aujourd'hui ses prochaines actions. Quelles seront ses prochaines actions? On a une rencontre. On a la route. On a une personne, tu vois, qui. Alors, je me détache éventuellement des conseils hein, qu'ont pu me donner les personnes de la famille, donc les personnes proches. Et c'est quelqu'un, tu vois, qui va partir faire part de son mal-être à un ou une amie. D'accord? Et on a vraiment cette impression, tu vois, que le mal-être, ben. En fait, c'est vraiment la crise dans laquelle elle se trouve, cette personne qui fait qu'elle, tu vois, elle cherche un peu des solutions. Elle est, alors, elle a l'impression de ne pas pouvoir choisir seule ou elle a besoin éventuellement de l'avis des personnes autour. Et c'est vrai que tu vois qu'on ressent que c'est une personne qui a le cœur brisé et que c'est une personne qui se fait du mal, en fait. En refusant de venir vers toi, là, pour le moment, les amis ont très bien capté, ont très bien compris que tu es juste en train de te faire du mal. Tu peux tout simplement, comme continuer à avancer, tu as juste à faire un choix. Donc ici, une personne qui va se retrouver entre deux avis, tu vois, dans pas longtemps, l'avis de la famille qui dit non, on va te larguer, et l'avis des amis. Donc en gros, vas-y, qu'est-ce que tu attends si ça te fait autant mal d'être loin de la personne? Donc elle va se retrouver, tu vois, dans un espèce d'entre-deux. On a le rapprochement et elle va finir par se rapprocher, hein. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression qu'elle va faire le pas. Donc je vais venir éventuellement bientôt, je sais pas, on va regarder si on nous donne une saison. Donc elle va faire le pas, tu vois, de venir vers toi. Elle ne va pas l'annoncer, par contre. D'accord? Aux personnes de la famille. Parce que pour moi, ici, le blocage, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est les personnes, éventuellement les parents, tu vois, de cette personne qui l'empêche de venir vers toi, ou en tout cas qui lui déconseille de venir vers toi. Donc elle va faire le pas, elle leur dira tout ça après, mais on a quelqu'un qui va laisser parler, tu vois, ses envies, parce que ben, je sais ou je comprends, tu vois, avec ben, l'appui des amis, que je me fais du mal en restant loin de toi. Je me fais du mal, tu vois, en refusant tout simplement de t'approcher. Ici, on a la période du printemps. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, tu vois, où elle s'approche, d'accord, vous pouvez refaire des sorties, ça va plutôt bien se passer. Moi, je te dis, une fois qu'elle l'annonce, elle l'annoncera, tu vois, tout simplement aux personnes de la famille, ça partira en clash, hein. On lui fait comprendre encore que tu vas te faire du mal, en gros, on va te briser le cœur, en réalité. C'est pas forcément une direction pour toi, une personne qui pourra t'apporter de la joie et du bonheur, c'est ce qu'on lui fait comprendre. Mais on a vraiment quelqu'un pour moi qui n'écoutera pas cette fois-ci, qui va plus interpréter ça, tu vois, comme de la jalousie ou éventuellement, tu vois, de l'hypocrisie. Éventuellement, si tu veux pas que j'aille dans cette direction, c'est que tu veux pas me voir heureux ou heureuse puisque je souffre quand je suis loin de l'autre. Ouais. On a une personne qui va refaire le film, tu vois, dès le début. Une personne qui va recommencer tout simplement comme on refait le film. Hein. Je te dis éventuellement pourquoi je me suis éloignée, je te dis éventuellement pourquoi je me rapproche. Mais c'est vrai qu'on parle réellement pour moi d'une situation où j'ai pas réellement cette sensation que quand elle t'annonce les choses ou quand elle
fait un pas vers toi, que tu sois totalement, on va dire, dans l'ouverture, bon, ce qu'on peut comprendre. Et c'est vrai ici que c'est quelque chose qui peut énormément la faire douter parce que ben, on a quelqu'un qui a cette sensation et cette impression quand elle arrive vers toi que tu ne pourras pas lui pardonner en fait ce qui s'est passé. On a l'impression que vous n'êtes pas beaucoup, vous voyez, comme dans l'expression, d'accord, plus dans la communication, tu t'exprimes pas des masses. Et le fait de ne pas t'exprimer des masses, ben, ça fait que, ben, du coup, elle se dit, peut-être tu vas jamais me pardonner. Donc, elle va prendre le temps éventuellement de regarder ce que tu fais. Donc, est-ce que tu lâches prise petit à petit ou tout simplement si tu décides de lui tourner le dos? On a une surprise, on a la tendresse. Ouais, on va quand même beaucoup échanger hein, pour certains. D'accord? Parce qu'on parle quand même pour moi d'une situation où. Moi, je vais dire les choses différemment. Ici, vous aurez une possibilité, vous voyez, comme de repartir éventuellement avec une personne. C'est vrai qu'on vous voit très méfiant et ce que je peux totalement comprendre, et c'est une situation qui risque de vous mettre totalement en crise. Pour moi, ce qui n'est pas très clair, tu vois, dans la situation, c'est vraiment le côté où je suis très mal, tu vois, quand je suis loin de toi, si je sens éventuellement que tu ne pourras pas me pardonner ou éventuellement que tu ne pourras pas à nouveau m'accorder ta confiance, ben je vais regarder dans une autre direction. Donc, j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui a très peu de patience. Limite, je veux arriver et que tu m'ouvres la porte très vite. Je veux pas te donner le temps, tu vois, comme de peser le pour et le contre. Elle te laisse pas de temps. Le fait qu'elle ait eu tout simplement le courage de venir, le courage, tu vois, comme de pousser la porte, elle se dit, voilà, c'est soit tu me prends ou soit tu ne me prends pas. Limite, c'est la première impression, c'est la première image que tu vas me renvoyer, les premiers mots que tu vas sortir qui vont faire que je saurai si oui ou non tu pars dans ma direction ou pas du tout. Elle va prendre le temps, tu vois, quand même. Hein, bon, pas beaucoup de temps, je préfère vous le dire. Hein, elle va quand même prendre le temps, tu vois, comme de peser le pour et le contre, de réfléchir. Et c'est vrai ici qu'on a une situation où, ouais, elle se dit, au final, c'est comme la dernière chance de pouvoir partir sur quelque chose avec toi. Si je n'arrive pas à te séduire ou à te reséduire, tout simplement, ben, elle partira tout simplement vers une autre personne. Alors oui, à savoir que je risque encore de me faire du mal, mais je sais pas pourquoi cette personne, elle ne veut pas forcément vous donner le temps, en fait. Le truc, c'est qu'elle ne veut jamais te donner le temps. Elle arrive au printemps, elle te donne jusqu'à la période de l'été pour éventuellement voir dans quelle situation tu te positionnes ou en tout cas comment tu avances. Elle voit à la période de l'été que tu n'es pas totalement dans l'ouverture ou que la confiance, tu vois, ben, ne s'accorde pas forcément. Et c'est normal, mais ça, elle ne le comprend pas. Genre en mode, j'ai déjà fait le déplacement ou j'ai déjà énormément pris sur moi, j'ai dépassé mes peurs, j'ai fait plein de choses. Et puis toi, éventuellement, je sens que tu es dans le négatif ou éventuellement que tu me reproches des choses. Ça peut être aussi des reproches. Parce qu'ici, on a le refus. On a le côté où vous lui posez éventuellement des limites ou vous lui montrez que là, c'est soit tu avances bien ou soit tu n'avances pas du tout. Elle panique, en fait. Et c'est une personne qui peut avoir une très mauvaise interprétation des choses parce que tu n'as pas dit non. Tu as tout simplement posé des limites. En tout cas, c'est ce qu'on doit faire, tu vois. Donc, tu poses des limites. C'est pas comme ça. C'est pas aujourd'hui, tu arrives, la semaine prochaine, on est en relation. À la fin du mois, tu vois, on est déjà comme en train d'habiter à deux. On repart comme si de rien n'était. Elle ne prend pas forcément en compte votre rythme émotionnel ou le côté où vous avez besoin d'être sûr d'elle, d'être sûr, tu vois, de la position qu'elle adopte pour que vous puissiez avancer ou pas du tout. Et. C'est vraiment ce qui est dérangeant, c'est qu'elle se dit, bon, écoute, si ça fonctionne pas, je vais passer par autre chose, limite vexée, tu vois. J'ai envie de te dire que c'est un peu de l'ego aussi. Ouais, elle ne se rend pas forcément compte, voyez, que vous avez souffert et que cette situation, elle a pu énormément vous travailler. Pour elle, le fait de revenir, ben, ça guérit tes blessures. On peut repartir sur quelque chose et puis on arrête de se poser des questions. Je suis là, donc limite, comme je suis là, t'es guéri, on y va. Tu vois, c'est un peu sa façon de voir les choses et c'est un peu. Ce qui nous montre aussi que c'est une personne qui a très peu de patience, mais aussi une personne qui ne prend pas forcément beaucoup en compte, tu vois, ben, votre mal au final, parce que ben oui, elle réalise qu'elle souffre, elle réalise tout ça, mais elle ne voit pas forcément que éventuellement la situation a pu vous faire souffrir et que vous pouvez encore souffrir aujourd'hui, puisque vous n'arrivez pas, vous voyez, comment lui faire confiance. Mais ça, elle n'arrive pas forcément à l'interpréter. Donc, si vous voulez faire un bout de chemin avec elle, ben, peut-être éventuellement essayer de lui dire les choses pour qu'elle puisse comprendre que donne-moi un peu de temps.
Hein? J'ai juste besoin d'un peu de temps. Mais pour elle, si tu lui dis je veux un peu de temps, les pensées négatives et la famille avait dit finalement t'allais me lâcher, et puis elle part dans tous les sens. Donc vous verrez éventuellement comment vous gérez la situation, si vous décidez, voyez, comme de repartir avec elle ou pas du tout, et éventuellement, ben, si vous arrivez, voyez, comme à lui faire un nouveau confiance, parce que pour moi, c'est ça le gros morceau. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.